Hey, bonsoir à tous. J'ai la chance de recevoir un ami, un gars qui vient de la région de la Rive-Nord, Julien Tremblay, qui, à mes yeux, est d'un des meilleurs skills coach au Québec. Je ne connais pas les autres au monde, puis je ne veux pas trop m'avancer, mais c'est à devenir directeur du développement du programme LHPS, Diabolos, Lucille Teasdale, et skills coach aussi. Un processus pour devenir Skills Coach Hockey Canada pour, à mes yeux, m'incrire. C'est pour ça que je dis que c'est la prochaine étape, tu vas être le meilleur au Canada. Fait que Julien Tremblay, merci d'être là. Merci de l'invitation, Jean, ça me fait plaisir d'être là. Moi, aujourd'hui, puis on s'en est parlé avant, là, backstage, là. On est vrai. On est vrai. Le gros backstage. Je suis vraiment curieux, puis je veux que les gens apprennent en même temps que moi. C'est quoi un skills coach? C'est quoi un directeur du développement des joueurs? Parce que vite, vite comme ça, là, lorsque la première fois j'ai entendu c'est quoi un skills coach, là, mais c'est quelqu'un qui fait des parcours, fait des feintes, tout le monde les joue, puis vont scorer des goals après, mais c'est bien plus que ça. Puis avant de commencer, j'aimerais ça que tu me dises, je sais que tu entraînes des gars professionnels, tu pourrais-tu me parler qui t'entraîne l'été, surtout dans la phase estivale, là? Oui, pendant l'été, j'ai l'occasion de, ben, tu sais, j'ai l'occasion, ça fait 2 ans, de travailler avec une agence de joueurs, Momentum Hockey, avec mon partenaire Alex Imbeau, qui, eux, nous ont présenté un projet puis qui était vraiment intéressant puis qui nous ont donné la chance, comme je te dis, de travailler avec les pros. Fait que dans cette agence-là, j'ai eu l'opportunité de travailler avec Alexis Lafrenière. Tu sais, c'est pas un mauvais joueur avec qui travailler, là. Mathieu Joseph. Qui joue pour le Lightning de Tampa Bay, Pierre-Olivier Joseph, qui a été up and down cette année, là, mais que, quand il a joué une quinzaine de games cette année, il a super bien été. Alexandre Fortin, qui a joué une coupe de game, que tu connais aussi, je pense, qui a joué une coupe de game à Chicago, qui a été échangé au Colorado cet été. J'ai eu l'occasion dans le passé de travailler avec Charles Hudon, beaucoup de joueurs à la Ligue américaine, Francis Perron, qui est maintenant en Europe. Fait que, tu sais, j'aime bien ça, travailler avec les joueurs professionnels. J'ai joué jusqu'à un certain niveau, mais travailler avec des gars qui goûtent vraiment à la Ligue nationale ou à la Ligue américaine, ça me donne l'occasion d'apprendre aussi de eux et d'échanger sur différents aspects. Fait que c'est bien, bien intéressant jusqu'à présent. Et autre que les frères Joseph, c'est tout du monde des Laurentides, ça? Je me trompe-tu? Oui, Alexis Lafrenière est de Saint-Eustache. Je Ouais. pense que Frank Perron, c'est un gars de Rosemère, je Ouais, Lorraine crois. Rosemère, si je me trompe Ouais. pas. Fait que oui, c'est du monde du coin. Fait que tu sais, c'est une bonne opportunité de travailler avec eux autres Ouais, aussi. c'est très, très gratifiant d'avoir aussi des bons joueurs de même dans notre région. Absolument. Fait que je suis super excité, là. Je veux vraiment que tu me dises de A à Z, là, c'est quoi un skills coach, un gars de développement, là. Je sais que tu as des séquences vidéo, des drills, tout, là. Je suis très excité. Fait que si tu es prête, je suis prête. Ben moi, tout d'abord, tu sais, avant de devenir un entraîneur, j'étais un joueur. Tu sais, j'ai fait mon parcours de hockey mineur pour les Seigneurs des Mille-Îles. Ensuite, j'ai joué 3 ans junior majeur. J'ai terminé mon parcours à 20 ans junior 3, puis j'ai fait le saut en Europe. Puis à travers mon parcours de joueur, j'ai toujours été intéressé par les habiletés individuelles. Tu sais. Je trouve qu'on en voit de moins en moins. Mais tu sais, moi, quand j'arrivais de l'école, c'était le plus vite possible. J'enlevais mon uniforme d'école, je mettais mes rollerblades, puis j'allais travailler sur mes skills individuellement. Tu sais. Fait que j'ai toujours été proche de cet aspect-là de la game. C'est un aspect que je me servais beaucoup personnellement pendant mes games. Tu sais, je me fiais beaucoup sur mes habiletés. À ma 3e année en Europe, j'ai subi une blessure, une fracture cervicale qui a mis fin à ma carrière. Puis, tu sais, tout de suite, je ne me suis pas posé de questions. Pour moi, ça allait de soi que j'allais rester dans ce domaine-là. Mais en commençant, tu sais, je ne me suis pas dirigé tout de suite vers le domaine de skills. Tu sais, je voulais apprendre à coacher, je voulais voir l'envers de la médaille, apprendre à connaître ce monde-là. Puis après ma 3e année, tu sais, quand j'ai commencé, je coachais avec les seniors. Puis après ma 3e année, tu sais, je me suis dit, est-ce que je me vois comme un entraîneur-chef au prochain niveau, tu sais, si on parle de junior ou professionnel, peu importe, ou je me vois vraiment comme un skills coach. Puis c'est là, tu sais, j'y ai réfléchi longtemps, puis je me suis dirigé vers cette branche-là. Ça fait maintenant 6 ans que je suis entraîneur des habiletés individuelles. Fait que je suis parti de la base, même si j'avais un bon knowledge côté habileté, c'est pas la même game, tu sais, d'être capable de individuellement, personnellement, te servir de tes skills, mais c'est autre chose d'être capable de l'enseigner, tu sais. Pour moi, un skills coach, la fondation d'un skills coach, idéalement, c'est d'être capable de développer des habiletés individuelles
pour aider les joueurs à performer en situation de match de façon intelligente, de façon fluide, mais toujours, toujours, toujours relier les habiletés aux situations de match. Tu sais, puis on en parlait tantôt, il y a beaucoup de skills coach, on va les appeler comme ça, qui mettent une coupe de compte sur la glace, puis une coupe de stick, puis qui font des parcours, mais pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Tu sais, ça, dans mon temps, moi, tu sais, j'avais pas besoin d'un entraîneur pour faire ce genre d'exercice-là. Puis je trouve que les entraîneurs sont capables, tu sais, ils ont des bonnes connaissances, on est capable d'amener beaucoup plus à nos joueurs que juste lancer une coupe de compte. Puis, tu sais, je me demande à quel point ils ont besoin d'un entraîneur pour les superviser pour faire ce genre de parcours-là, tu sais. Ouais, fait que, tu sais, moi, à travers mon processus d'enseignement, c'est oui, j'ai un peu une partie de ça où est-ce que je veux développer la fondation du skills que je veux travailler, tu sais, qu'on parle de edge ou de position de la rondelle ou de maniement, tout ça, mais moi, le plus rapidement possible, j'essaie de sortir mes joueurs de cet environnement-là pour les rentrer dans des scénarios de match, puis les exposer à différentes situations. Puis là, à partir de là, tu sais, moi, j'aime beaucoup varier l'espace. C'est parce que tu as des skills que tu peux te servir à haute vitesse avec plus d'espace, mais il y a de moins en moins d'espace sur la glace. Fait que je travaille en plus petits espaces, je rajoute de la pression, je rajoute des supports. Fait que le plus rapidement possible dans mon processus, moi, j'aime ça les sortir d'un environnement contrôlé pour les rentrer dans des scénarios de match où est-ce que je vais exposer le skills qu'on travaille. T'sais, fait que dans mon expérience personnelle, je suis capable de voir un meilleur transfert d'une situation de pratique à une situation de match. Fait que c'est comme ça que je l'approche. Puis c'est vraiment bon ce que tu dis parce qu'on a souvent tendance à, comme on parlait au début, faire des parcours. T'sais, c'est beau sortir, faire un spoon sur un cône, mais quand tu es dans un espace restreint en arrière du filet, dans le coin, de batteur un contre un sur le bord de la bande, il faut que tu sois en mesure de répéter cette action-là. Si tu l'as une fois, c'est peut-être de la chance ou tu as un talent, mais à un moment donné, il faut que tu sois capable de le recréer si tu es dans la même situation. Exactement. Puis aussi, une chose qui est importante dans les skills, c'est que la répétition, c'est extrêmement important, mais moi, je suis beaucoup plus dans donner des options aux joueurs. Tu sais, je vais englober une technique ou une tactique individuelle ou collective. Puis à travers ça, je ne veux pas limiter les joueurs à ce qu'on fait uniquement. Tu sais, pour moi, il n'y a pas de technique parfaite. Le plus important pour moi, c'est que les joueurs comprennent le pourquoi, le quand et le comment. Oui, évidemment, il est important, mais que les joueurs soient capables de reconnaître la situation puis d'appliquer ce skills-là dans différents scénarios selon la pression. Parce que, tu sais, le hockey, c'est un jeu à haute vitesse, c'est dynamique, c'est jamais la même situation qui se présente devant toi. Fait que si tu développes tes skills toujours dans le même environnement, avec la même pression qui arrive toujours au même timing, quand tu vas arriver en situation de match, le pourcentage de chances que cette situation-là se représente, c'est pratiquement, nul, tu comprends? Fait que ouais. Moi, j'aime ça, varier l'environnement. On se concentre toujours sur le même core de skills, mais varier l'environnement, fait que ça donne un peu plus de gap aux skills. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que ouais. Le joueur est capable de s'adapter à la situation puis d'adapter le skills plus facilement si on travaille comme ça. Puis est-ce que tu as la même approche? Exemple, tu prends un groupe PWI, puis il y a un groupe, je ne sais pas, moi, M18, Midget 3, Midget Espoir. Est-ce que tu as le même mindset? Est-ce que c'est la même préparation? Ou c'est vraiment, tu ne vas pas chercher les mêmes bases? Là? C'est une excellente question. Moi, je travaille beaucoup les mêmes skills. Évidemment, là, on parle de M13, qui est l'âge PWI. En bas de tout ça, là, c'est vraiment juste créer une bonne fondation, une fondation solide pour être capable plus tard dans leur développement de bâtir au-dessus de cette fondation-là. Mais tu sais, j'approche honnêtement une pratique PWI comme une pratique M18. On va prendre ça en exemple. Là où ça va différencier, c'est que, évidemment, je vais demander un petit peu plus d'exécution à mon M18. Il y a un peu plus de speed. Je peux varier la vitesse. Je peux rajouter des passes. T'sais. Fait que c'est beaucoup dans la progression de mon skills où est-ce que ça va varier. Mais le core reste le même quand même. Tu sais, une protection de rondelle, ça reste une protection de rondelle. Un changement de vitesse, ça reste un changement de vitesse. Là où ça va varier, c'est juste dans l'exécution du skills puis dans la vitesse à laquelle le joueur va être capable de l'appliquer. C'est là qu'il y a une petite nuance. Puis, tu sais, exemple, là, je sais que cette année, je vais peut-être m'égarer un peu. Là, je sais que cette année, tu as été à quelques reprises faire les cataractes de Shawinigan en remplacement du Glory Skills Coach. Mais lorsque tu viens dans une étape, que tu vas dans le junior majeur ou peu importe le calibre, puis tu es là,
en remplacement, est-ce que tu, comment tu approches ce mindset-là? Ou est-ce que tu as des ordres? Ou toi, tu y vas avec all-in, tu as checké les coupes de séquences vidéo, puis tu dis, ben, regarde, moi, ce que je vois, on va le mettre en pratique. Ben, honnêtement, c'était un bon timing pour moi parce que c'est Pascal, tu sais, Pascal Dupuis, oui. qui est un ami proche à moi, honnêtement, qui m'a donné l'opportunité, comme tu as dit, d'aller remplacer parce que eux, c'est leur skills coach, c'est le père d'un des joueurs russes de l'équipe, Ponomarev. Puis là, eux, au début de la saison, il y avait de la difficulté avec le COVID, puis le voyagement, puis tout ça. Fait que ils voulaient quand même, les Cataractes voulaient quand même continuer à travailler sur leurs skills. Fait que Pascal m'a fait venir à Shawinigan 2 semaines de suite. Fait que moi, quand je suis allé là, j'ai fait 1 heure avec les attaquants, 1 heure avec les défenseurs. Puis je suis retourné la semaine d'après pour faire 1 autre heure avec les attaquants, puis 1 heure avec les défenseurs. Puis le coach qui était là cette année à Shawinigan, c'est le coach que j'avais quand je jouais à Cats Batters. Fait que je le connaissais déjà, tu sais. Fait que c'était un bon timing. Déjà, la façon que je l'ai approché, c'est que je connais sa façon de jouer. Je sais comment il veut que ses joueurs performent. Je sais qu'est-ce que, tu sais, le système un peu qu'il joue. Fait que je suis capable de me faire mon idée en arrière de, OK, lui, tu sais, dans ses tactiques, dans son style de jeu, il aime le genre d'identité de cette façon-là de jouer. Fait que moi, je suis capable de rentrer des techniques qui vont aider les joueurs à performer mieux dans ce système-là. Ben, évidemment, avant de me rendre à Shawinigan, c'est Ron Schultz. Ron, il m'a appelé, mm-hmm. puis il m'a expliqué un petit peu le mindset qu'il voulait, puis c'était exactement ce que je pensais. Fait que j'ai travaillé beaucoup de cutback, de protection de rondelles, de récupération de rondelles, comment créer de l'espace à la ligne bleue pour les défenseurs, utiliser le centre en sortie de zone, en transition. Fait que différents concepts. Fait que j'étais là pour la première semaine, puis après ma première journée à Shawinigan, Ron, il m'a donné son playbook. Fait que je l'ai étudié un petit peu. Fait que j'ai regardé vraiment plus en détail après ma première pratique, qu'est-ce qu'il voulait individuellement. Puis là, pour ma deuxième semaine, là, je me suis un petit peu plus ajusté sur vraiment ce que lui voulait, tu sais, dans cette année-là. Hey, honnêtement, là, tu parlais, puis je trouve ça intéressant. Puis j'ai 2 questions là, qui m'ont popé. J'espère pas les perdre, là, au moins la deuxième. Écris-les. Moi, je les écris. Je pourrais tout. Je te dis. Tu parlais d'un. Tu as regardé le playbook, tu as un mindset. Le mindset que Ron Shaw y avait, est-ce que c'est différent? Est-ce que ça revient pas mal toujours global aux mêmes choses ou c'est vraiment l'extrême? T'sais, en général, est-ce que tu vois. D'aller toucher, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. Ben dans un point de vue de skills, ouais. Moi, comme skills coach, je n'avais pas besoin de rentrer des nouveaux skills. C'était quand même des skills que j'enseignais. T'sais. C'est ouais. juste que lui, il va mettre l'emphase sur certains skills okay. spécifiques selon sa façon de jouer. Fait que, c'est un coach qui met beaucoup d'emphase sur aller au net, protéger ta rondelle. Mettre du trafic, tout ce genre de concept-là. Fait que moi, pour les attaquants, exemple, je vais travailler beaucoup en bas de la goal line. Je vais travailler sur le rush, comment peut-être créer un petit peu d'espace sur le rush. Fait que c'est tous des concepts qui vont aider les joueurs, comme je disais tantôt, à performer dans le système à run. Mais c'était, puis honnêtement, c'était quand même similaire à la façon que moi, je jouais quand je jouais pour Ron à Cats Batters. Fait que c'est pour ça que je te disais tantôt, tu sais, je connaissais un petit peu son identité. Évidemment, avec le temps, il faut que tu t'ajustes un peu, mais le core de son système était quand même le même. Tu sais. Ah, c'est bon, ça répond quand même. Global, là, j'étais vraiment curieux de voir. Puis l'autre question, c'est pas mal dans la même lignée. Tu sais, tu parlais du playbook, là, puis là, ça m'a vraiment allumé. Là. Sur le playbook, comment tu fais, tu sais, moi, on en a tout. Là. Moi, j'ai un playbook, puis j'ai ma manière de coacher depuis une couple d'années. Sauf que toi, qui n'es pas dans l'entourage, oui, tu as joué pour Ron, mais en même temps, mais ça, on a, peu importe, le système, il a changé avec le temps. Comment tu fais pour analyser le playbook? Tu dis, OK, mais regarde un forward, tu sais, on le sait, tu es un attaquant de nature, OK, mais crime défenseur, comment tu fais pour travailler l'aspect playbook défenseur? Puis attaquant, puis après de merger les deux pour qu'il y ait une chimie comme telle? Ben, tu sais, je vais te donner un exemple simple. Je vais prendre les défenseurs. Tu sais, je regarde dans le playbook, puis c'est une équipe qui voulait être bon en récupération. Je te donne un exemple, là. Pas Shawinigan, mais j'ai un exemple. C'est une équipe qui veut être rapide sur la transition. C'est une équipe qui veut jouer vers le nord. C'est une équipe qui veut limiter les DDD parce que justement, ils veulent jouer vers le haut, puis ils veulent aller vers l'avant. Ben, moi, à ce moment-là, individuellement,
Je peux travailler les récupérations de rondelles. Je peux travailler les prises d'informations avant de récupérer les rondelles. Sur une transition, même chose. Tu sais, travailler beaucoup les prises d'informations. Juste travailler des fakes, des transferts de poids avant de récupérer la rondelle. Toutes des choses qui vont leur permettre d'atteindre l'objectif de l'entraîneur. Tu sais. Puis une chose qui est importante aussi, c'est moi, je pense qu'on va voir de plus en plus, tu sais, déjà, comme tu as dit tantôt, on en voit de plus en plus, mais des skills coach qui vont être linkés à des équipes. Mm-hmm. Parce que, tu sais, ces petits détails-là, là, à la fin de la journée, ça peut faire une grosse, grosse, grosse différence pour moi. Tu sais, juste apprendre à des défenseurs de transférer leur poids, de changer l'angle de leur patin avant de récupérer la rondelle, ça peut créer de l'espace puis leur ouvrir beaucoup plus d'options, tu sais, fait que... moi, je l'approche de cette façon-là. Tu sais, j'essaie juste de... Je reviens à l'exemple sur une transition rapide. Bien, de quelle façon, individuellement, tu es capable de relancer l'attaque rapidement? Puis là, moi, tu sais, je vois, comme je te dis, récupération de rondelle, shoulder check, bouger les pieds d'une certaine façon pour diriger la pression du mauvais côté puis faire un cutback serré. Puis, comment sortir de la pression une fois que tu as battu ta pression? Fait que, tu sais, je touche pas directement au collectif, mais indirectement, ça va avoir un lien avec le succès qu'il va connaître collectivement. Tu sais. Ah, c'est honnêtement, c'est très bon. Puis tu parles des défenseurs. Tu sais, à mes yeux, à moi, un défenseur, là, ça devient vraiment, ça a le même rôle qu'un QB au football, là, le jeu de pied, la relance, lecture, tout. Puis l'attaquant là-dedans, mais il faut qu'il y ait un mindset, il faut qu'il y ait un hockey sense pour lire qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, j'ai eu la chance de te voir souvent à l'œuvre là, sur la patinoire, puis tous les exercices qu'il y avait autant offense que pour les défenseurs, je trouvais que peu importe ce qui se faisait, le march était là. Même si c'était des ateliers séparés, mais les deux vont tout le temps chercher le march, puis c'est le meilleur. Exactement. Le meilleur des deux mondes. Là. Puis juste pour enchérir là-dessus, tu sais, ce qu'on ne peut pas faire comme skills coach, c'est enseigner des choses individuellement aux joueurs qui vont aller à l'encontre de ce que l'entraîneur-chef veut dans son équipe. Tu sais. Je sens ça, d'accord. Fait que moi, il faut que je fasse attention pour rester, tu sais, là, si on parle de niveau junior-majeur ou même collégial, tu as un skills coach qui s'en vient de travailler dans ton environnement. Ben, moi, si tu es un entraîneur qui aime ça relancer vers le milieu en transition ou en breakout, je ne peux pas arriver et travailler tes défenseurs en sortie de zone puis à travailler en rim puis à travailler en breakout avec ton ailier. Si tu es un défenseur, un entraîneur qui collectivement va demander à tes défenseurs de jouer vers le milieu, t'sais. C'est là que là, on peut perdre les joueurs assez rapidement si le message n'est pas pareil. C'est pour ça que c'est important d'être sur la même page, l'entraîneur, les adjoints, puis le skills coach. Ouais. Moi, je ne peux pas arriver là avec ma propre mentalité. Ouais, c'est pas mon équipe. T'sais, c'est pas mon équipe. Fait que moi, c'est juste de rentrer des techniques, des tactiques individuelles qui vont toucher directement à ce que toi, tu veux. Puis, tu sais, je le sais, là, tu en partages souvent sur Instagram, là, des clips, puis on a souvent parlé des clips, là, individuels de plusieurs mouvements, mais la nouvelle tendance, là, t'as-tu vu une grosse tendance depuis 2-3 ans dans NHL où est-ce que, tu sais, c'est toujours le même pattern, où est-ce que les équipes, ils prônent un je ne pourrais pas dire un système, mais une manière de travailler le développement. Parce que, tu sais, on parle beaucoup de développement individuel. On parle de Cole Caulfield, on parle d'Alexis Lafrenière, on parle des... Tu sais, on entend beaucoup, là, Joël Bouchard, il parle de développement individuel dans la Ligue américaine, mais qu'est-ce qui fait que lorsque tu arrives, mettons, dans NHL, qu'il y a une tendance, et c'est quoi la tendance, puis pourquoi que c'est rendu là? Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que le développement collectif passe par le développement individuel de chacun de tes joueurs. Tu sais, puis là, on parle de technique, mais c'est aussi, tu sais, l'aspect mental, l'aspect psychologique, la nutrition, tout ça. Fait que je ne sais pas si on s'est rendu compte de ça dernièrement, mais en tout cas, on a mis beaucoup plus d'emphase sur le développement individuel. Fait que moi, je pense que ça part de là. Entourer l'individu, développer l'individu à son plein potentiel va avoir un aspect positif sur le collectif. Fait que moi, je pense que c'est une bonne chose, honnêtement, parce qu'on le voit, là, les joueurs individuellement sont rendus insane. On regarde le pace de la game, l'intelligence des joueurs, les habiletés individuelles, la vitesse à laquelle les joueurs sont capables de performer les skills, c'est rendu ailleurs. Fait que, tu sais, au niveau de tes habiletés individuelles, tu n'as pas le choix, si tu veux te rendre au top, de mettre du temps et
de prendre du temps de développer individuellement si tu veux te rendre au top. Tu sais. Là, je suis 100% d'accord, honnêtement. Puis sur le développement individuel, au niveau des skills, parce que je voulais passer un peu de temps à parler de skills, ouais. Une des choses les plus importantes, ben, tu sais, puis, que ce soit pour les entraîneurs ou pour les skills coach, c'est on le sait, la vitesse de la game est rendue à un niveau supérieur. Puis je me suis rendu compte, là, tu sais, moi j'aime bien ça regarder des games, tu le sais, là, j'aime ça clipper et tout ça. Puis j'étais curieux de. Tu sais, j'essaie toujours, moi, quand je travaille avec des joueurs, je ne veux pas les développer pour performer dans la game actuelle. Mm-hmm. Moi, j'essaie toujours d'anticiper la game, elle s'en va vers où. Mm-hmm. Puis c'est là que je veux les envoyer mes joueurs. T'sais. Fait que j'étais curieux, je suis retourné voir des playoffs de 2002-2003, des finals Colorado contre Détroit. T'sais. Puis là, je voulais voir la game en 2000-2002 était où par rapport à la game en 2021. Puis là, où ce que je me suis rendu compte, c'est que peut-être à ma surprise, le pace de la game est quand même élevé. Là. C'est sûr, j'ai regardé des finales de playoffs, mais le pace, j'ai trouvé qu'il était quand même assez similaire. Puis là, je me suis rendu compte, c'est le changement de règlement, c'est ça qui a donné le pace à la game, j'ai trouvé. J'ai vu des affaires de Charlie, je ne pensais pas voir de ma vie, des hockings, des slashes. Tu sais, fait que t'enlèves tout ça, tout pour prioriser l'offensive, c'est ça qui a donné le pace à la game. Puis là, tu matches ça avec le développement individuel où est-ce que les joueurs mettent de plus en plus d'emphase sur le speed. C'est ça qui fait que la game est rendue à ce niveau-là. Puis où je pense que l'emphase prochainement dans le développement doit être mise. Tu sais, je trouve que les entraîneurs mettent beaucoup d'emphase sur accélérer avant de recevoir une rondelle. Je pense que les joueurs sont excellents à créer du speed avec la rondelle. Mais il ne faut pas oublier une chose, tu sais, avant de jouer avec le puck, là, il faut que tu te démarques pour être une option pour recevoir le puck. Mm-hmm. Il faut que tu reçoives ta rondelle. Tu joues avec le puck ou tu sais, tu protèges, tu shot, fais ton action. Tu te débarrasses de la rondelle, tu fais un jeu avec la rondelle, tu sais, tu te donnes le puck, tu places ta rondelle, tu pognes une shot, peu importe. Ouais. Puis après, qu'est-ce que tu fais avec une fois que tu t'es séparé de la rondelle? Tu sais? Moi, où je trouve qu'un joueur va être capable de créer encore plus de pace individuellement, c'est sur la réception de la passe. Tu regarderas, tu porteras attention à ça sur chaque joueur. Là. Quand le joueur récupère sa rondelle, on a tendance à ralentir. Parce que la rondelle, de ce que je vois, c'est un élément négatif sur la vitesse du joueur. Ça devient une distraction, puis tu veux être confortable avec ta rondelle. Fait que, des fois, tu baisses tes yeux. Fait que ça devient un élément qui peut te distraire. Tu sais. Mais ça devrait être l'inverse, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Fait que là où je pense qu'on peut aller chercher ou pas perdre de speed, c'est sur la réception de la rondelle. Comme j'ai dit tantôt, je trouve qu'on est bon à créer du speed avec le puck. Mais être capable de bouger ta rondelle en gardant ta vitesse puis te démarquer après. Souvent, les joueurs, une fois qu'ils se détachent de la rondelle, ils vont tomber puck focus ou ils vont regarder la rondelle, mais ton jeu n'est pas terminé. Là. Il faut que tu restes une option. Il faut que tu sois actif dans le jeu. Fait que, tu sais, quand je regarde le speed de la game et le speed des joueurs individuellement qui est à un niveau incroyable, puis on voit qu'il y a quand même des fenêtres d'opportunité pour continuer à créer du speed. T'sais. Fait que tous les skills coach, ceux qui vont écouter ça, mettre l'emphase sur garder les pieds en mouvement sur la réception de la passe, puis garder les pieds en mouvement une fois que tu détaches de la rondelle, ça va créer beaucoup plus de pace dans la game de ton joueur, puis indirectement dans la game de ton équipe. 100% d'accord. Tu sais, c'est vraiment intéressant ce que tu as dit là, au départ. Là, tu disais que toi, tu analysais le skill, tu sais, individuellement. Puis je prends juste la game du Canadien hier. Quand Dano il a scoré, moi, j'ai analysé le setup du timeout. Mais en regardant à plusieurs reprises, mais je suis persuadé que toi, je vois Nick Suzuki qui reçoit le puck d'une manière qui est obligé de dégainer. Mais c'est après que je le vois. Mais toi, sûrement que tu l'as vu sur le moment. Puis, qui a reçu sa passe de Petri, mais la manière qu'il a dégainé, mais c'était sûr qu'il scorait parce que comment tu étais positionné. Mais c'est drôle parce qu'on regarde la même game. Est-ce qu'on ne regarde pas la même affaire? On a toutes des lunettes différentes, Charlie. On a toutes des lunettes différentes pour voir la game. Puis c'est sûr que moi, vu que je me suis dirigé dans ce domaine-là, j'ai un œil beaucoup plus individuel. T'sais. J'aime ça varier entre les deux. Des fois, je vais regarder la game d'un œil individuel. Je vais cibler les joueurs qui m'intéressent puis je les suis. Là. Je ne regarde pas le jeu dans son ensemble. Je suis le joueur. Ah, ouais. Je suis le joueur. Je vais regarder qu'est-ce qu'il fait sans la rondelle, c'est quoi son positionnement,
comment il joue avec son speed, comment il rentre dans les pockets, comment il sort. Puis des fois, je vais regarder les équipes qui m'intéressent, puis là, je vais regarder l'ensemble, tu sais, la cohésion, l'exécution, puis tout ça. Puis ce que j'aime beaucoup, je trouve que ce qui est un facteur positif pour une équipe, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les breakouts, comment ton équipe est capable de gérer les breakouts under pressure, puis l'inverse, ton forecheck. Est-ce que tu es capable, tu sais, puis tes entrées de zone, est-ce que tu es capable de rentrer en contrôle? Puis si tu n'es pas capable de rentrer en contrôle, est-ce que ton équipe est capable de placer des rondelles dans les endroits pour que ton partner soit capable de récupérer? Fait que moi, c'est deux choses qui m'intéressent. Breakout, forecheck. C'est hot. Moi, je suis ça. Moi, les set plays, là, moi, là. Quand je coachais, exemple, puis oui, Bantam, Midget, Espoir, là, je focusais pas là-dessus. Hey, là, je fais que regarder ça. Je viens fou à regarder ça. C'est l'enfer. Fait que, tu sais, la game est vraiment appréciée à regarder. Là. C'est vraiment le fun. Puis quand tu prends le temps d'analyser des games collectives, individuelles, tu te rends compte qu'il y a tellement de choses, tu sais, que l'œil n'est pas capable de capter parce qu'il y a tellement d'informations qui se passent que moi, j'aime, honnêtement, là, j'aime ça écouter des games sur mon laptop. Là. Parce que des fois, ça va tellement vite que il faut que je recule là, la séquence 10 fois avant de comprendre pourquoi il a fait ça, puis comment il était capable de gérer son espace. Fait que, tu sais, ouais, j'ai belle, je peux reculer en live, là, mais sur mon ordi, là, je vois une séquence, là, c'est allé tellement vite, j'aime ça le reculer. Puis là, je le regarde. Puis là, je vais le reculer encore pour bien comprendre. Des fois, je vais le clipper, puis après, je vais aller l'étudier plus tard dans la soirée, tu sais. Il y a tellement d'informations, tu sais, il y a tellement de façons de voir la game qu'on va regarder la même game, toi et moi, Charlie, puis tu vas avoir une opinion, puis je vais avoir une opinion, puis les deux, on a peut-être raison. C'est juste qu'on a vu d'autres choses. Ça, c'est le rôle qu'on n'est pas des fafans. Hier, j'étais un fafan, quand il a scoré, j'ai couru dans le salon. Avant ça, le crime, juste comment. Tu sais, jusqu'à hier, là, honnêtement, là. Je me demandais pourquoi le Canadien, là, il revenait tout le temps en zone neutre à 3 contre 3. Puis je t'ai dit, Caroline, il me semble que hey, moi, je joue au 3 contre 3. Là, toi aussi, tu joues. Là, puis, ouais. Il me semble que c'est non. Puis à un moment donné, tu te dis, ils veulent vraiment t'endormir. Puis là, moi, j'étais dans la peau des Maple Leafs qui étaient dans la zone de Mitch Marner. Puis Mathieu doit dire, c'est bien fatigant. C'est bien fatigant. D'habitude, c'est l'anti-hockey quand tu es dans la zone en arrière. Mais là, il tourne en haut. Mais... Nouvelle tendance, ça, moi, de ce que je vois. Puis tu m'amènes, tu me fais drifter vers un autre sujet, là. Je ne veux pas aller trop loin là-dedans, mais je voulais en parler. Puis ça, c'est un des concepts qu'on voit de plus en plus souvent. Puis c'est les Patrick Kane de ce monde-là, c'est les Marner, puis c'est les joueurs qui ont du poise avec le poids qui amènent cette tendance-là de créer du speed en bas de la rondelle, d'être capable de se faire oublier en arrière des joueurs. Tu sais, ces joueurs-là, c'est rare qu'ils se font pogner avec le puck quand ils n'ont pas de time and space, parce qu'ils sont capables de comprendre, tu sais, de descendre en bas de la pression, de se cacher en arrière, tout ça. Puis moi, je trouve encore en 2021 qu'il n'y a pas assez de ça en 5 contre 5. Là, je ne te parle pas de la zone neutre, tu sais, je te parle de la zone offensive. Je trouve, personnellement, puis là, il y en a probablement beaucoup qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est juste mon opinion personnelle, je trouve qu'on dirige trop de rondelles au filet pour rien, tu sais, personnellement. Moi, je suis beaucoup plus à propos de la qualité que de la quantité. Yeah. Parce qu'il ne faut pas oublier que le puck le plus facile à breaker out, c'est une shot au net. Parce qu'aussitôt que tu pognes un shot au net, la majorité du temps, ça devient un 50-50. Puis là, il faut que tu battles pour le puck. Puis si tu as des gars qui sont sloppy sur les récupérations de rondelles, tu perds possession de la rondelle, puis c'est un rush against. Tu comprends? Puis tu sais, la moyenne générale des goalers, je ne suis pas un goaler, mais c'est quoi à peu près dans n'importe quelle ligue? Un goaler en moyenne, ça joue 900, 915 à peu près. Là, tu sais. 9 fois sur 10, le goaler va faire le stop. Ouais. Tu comprends? Fait, je ne te parle pas de... Tu sais, il y a des meilleurs, il y a des situations où est-ce qu'il faut que tu diriges le puck au net. Tu sais. Si tu reçois une pass across, si tu es capable, tu as une opportunité d'y aller one-timer, si tu as du trafic devant le net, si tu as un gars qui crash pour le rebound, si tu as un gars qui est là pour tipper le puck, ça, c'est toutes des bonnes situations pour diriger le puck au net. Ça, c'est ce que j'appelle des green shots. Des green shots, c'est des shots à haut pourcentage pour créer quelque chose autour du net.
Mais je vois beaucoup d'équipes qui dirigent des pucks au net. Ouais, pour placer des pucks au net. Ouais, tu sais, puis ça crée des loose pucks. Puis là, tu perds tes races, puis là, ça devient des easy breakouts. Puis là, tu t'en vas jouer en D-zone. Tu sais, fait que ouais. Moi, je pense que les équipes, personnellement, doivent faire attention à la possession de la rondelle un peu plus. Puis comme tu as dit tantôt en OT hier, là, à un moment donné, ça devient tough de courir partout. Les joueurs sont fatigués. Là. Fait que si tu travailles ton possession de rondelle, puis là, tu engages une coupe de switch, tu switches avec tes défenseurs, tu switches down low, tu fais du cycle. Là, tu as l'opportunité de glisser un green shot au net. Tu glisses. Là, il faut que tu sois bon sur les récupérations de rondelles, puis là, tu recommences. Oui, parce que sinon, ça peut être dangereux aussi, l'inverse. Il faut juste que ça soit bien exécuté. Là. Exactement. Fait qu'il y a une balance, c'est comme dans n'importe quoi. Il y a une balance à faire. Là, le volume, il est quand même important, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un petit peu plus d'emphase sur la qualité. Mais je suis content que tu dises ça, parce que moi, je suis le coach shooting mentality, puis il faut... Mm-hmm. Sauf que, tu sais, je reviens, tu me fais une prise de conscience. Hier, Ben Sherratt, à la fin, il a pas eu une shot dans le chest. Mais dans ce temps-là, tu aurais peut-être pu garder ce petit temps-là pour la mettre à la pad, lire ou l'autre pour qu'il crée quelque chose. Et si on parle de la même shot, il y avait Caulfield qui était backdoor. Fait que, oui, absolument, c'est exactement ça. T'sais, ça dépend. Est-ce que tu shots pour créer un scramble devant le net? Est-ce que tu shots pour aller chercher un face-off à nos zones? Parce qu'il reste une minute et tu as besoin d'un time-out pour enlever le goal. Tu sais, ça dépend toujours de la situation, mais en général, tu sais, c'est dur de garder possession de la rondelle. Joue avec, crée des switches, bouge ton puck, bouge le puck. Puis là, quand tu as une opportunité de glisser un green shot au net, là, tu y vas. Ouais, honnêtement, c'est bon. T'avais-tu des petites capsules à me montrer? J'ai 2-3 drills, Charlie. Me mettre host. C'est fait. Là, tu vois, Charlie. Oui, exact. Okay. Fait que le premier, c'est le drill que je t'expliquais. OK. Ça lag un peu, mais honnêtement, je pense que c'est parfait. Ça me donne une bonne idée. Ça te donne une bonne idée. Fait que le joueur, il est derrière, il a le bras en pleine extension. Il varie son stick pressure, gauche-droite, entre les jambes. OK. Fait que c'est un bon warm-up. Deuxième, protection de rondelle. Okay? Prends ta prise d'information en protection de rondelle. Deux joueurs dans le cercle, là, tu peux le travailler dans chacun des cercles en warm-up, ça n'a pas d'importance. Puis en même temps, ça travaille le contrôle de rondelle à une main. Pour moi, la protection de rondelle à une main est extrêmement importante. Tu dois être bon pour protéger ta rondelle sur ton revers. Je trouve, personnellement, j'aime beaucoup la protection sur le revers à une main parce que tu es capable d'aller chercher plus de distance puis te séparer de ta pression beaucoup plus. Fait que tu as un joueur dans le cercle à une main sur son stick avec une rondelle. Puis tu as un autre joueur qui reste dans le cercle avec lui deux mains sur son stick. Okay. Le joueur qui est à une main doit aller toucher le joueur qui a deux mains. Okay. Puis le joueur qui a deux mains, lui, essaie de bouger ses pieds puis de se séparer du joueur qui essaie d'y toucher. Okay. C'est comme une tag. Là. Okay. Mais ça pousse vraiment le joueur qui travaille à une main à prendre ses prises d'information, à éloigner à garder contrôle de sa rondelle, travailler la tête haute. Puis on travaille aussi la protection de rondelle dans cette situation-là. Fait que moi, je suis allé toucher le joueur. Fait que là, c'est lui qui tombe à une main, moi, je suis à deux mains. OK. Puis vice-versa. Là, quand tu y touches avec ta main... Quand je touche avec ma main, lui, il tombe à une main. On change de rôle. Exact, on change de rôle. Ah, c'est intéressant. Quand l'entraîneur est à l'extérieur du cercle, s'il y a une rondelle qui sort, parce qu'honnêtement, c'est dur, là, celui qui travaille à une main, c'est le pas qui sort du cercle, tu fais juste y en spotter un autre, puis c'est toujours en continu. Tu peux finir avec une race au net. Si tu as tes goalers qui travaillent de l'autre côté, tu peux finir avec une race. Puis aussitôt que tu as sifflé et que les deux joueurs qui sont dans le cercle sortent, ben, tu as tout de suite deux nouveaux joueurs. Fait que c'est un drill où est-ce que tu es capable d'aller chercher un bon pace aussi, honnêtement. Je vais juste te le faire jouer une autre fois. Ah ouais, c'est bon, hein, contre toi. Ah, puis je le trouvais bon parce que, pauvre petit, je l'exposais un peu. OK, ça, c'est un de mes exercices préférés que j'aime faire aussi en warm-up. Okay. Exercice pour travailler
à lire les espaces libres. On parlait tantôt d'être actif avant de récupérer la rondelle. Ouais. Donc là, on va avoir deux joueurs en zone neutre qui travaillent ensemble. Bien, on a deux équipes de deux. OK. J'utilise la zone neutre au complet parce que c'est un exercice où est-ce que tu as besoin d'un peu plus d'espace. Mais tu pourrais le travailler en zone offensive ou tu peux le travailler ouais. trois zones en même temps. Donc là, si je ne me trompe pas, est-ce que tu vois ma souris dans l'écran? Oui, oui, exact. Ce joueur-là ouais. va travailler avec ce joueur-là. OK. Puis le 19 blanc à droite, il travaille avec ce joueur-là. OK. Fait que là, il travaille en équipe de deux. Tu as seulement mm-hmm. un des deux joueurs qui a la rondelle. OK. Celui qui n'a pas la rondelle mm-hmm. doit trouver l'espace entre les deux autres joueurs pour okay. que le porteur puisse lui donner la rondelle. Mais okay. ben là, tu as les quatre joueurs qui bougent en même temps. Fait que l'espace libre n'est pas toujours à la même place. T'sais, je ne peux pas donner le puck en ligne droite si la passe traverse pas les deux autres joueurs. OK. Ouais. Ouais, c'est intéressant. C'est les deux équipes en même temps. Fait que, tu sais, les joueurs sont constamment ouais. à la recherche de l'espace, autant le porteur ouais. que le non-porteur. Fait que, tu sais, ça force, c'est un bon exercice de warm-up pour travailler les prises d'informations, lire les espaces, accélérer dans les espaces libres. T'sais, moi, je leur demande de ne pas rester dans l'espace parce que dans une game, si tu restes dans l'espace libre, deux secondes, l'espace n'est plus là. C'est ça, exact. T'sais, je veux toujours qu'ils soient à la recherche de nouvel espace libre. Je vais te leur faire. Tu es capable de leur faire jouer encore? Hein, oui. Même si ça lag, c'est pas grave, là, ça en dit beaucoup, là, honnêtement. C'est très bon. Ouais. Je l'aime vraiment, cet exercice-là, parce que tu sais, c'est un peu, tu sais, c'est un peu la game. Là, tu sais, t'es toujours à la recherche d'espace libre pour supporter tes coéquipiers puis rentrer dans les espaces avec du speed. Fait que, je trouve ça bien intéressant. Le dernier, je pense que je l'avais mis sur les réseaux sociaux la semaine passée, un exercice de transition avec les défenseurs. Puis ça, je l'avais fait vraiment à la fin de la pratique. Là. Tu sais, toute la pratique, je l'avais travaillé en progression. En transition en zone neutre, j'ai travaillé en D2D, j'ai travaillé en récupération de rondelles en patin avant en zone neutre. Puis je demandais aux joueurs d'appliquer les skills qu'on avait travaillés, mais je rajoutais la prise d'information dans l'exercice. Okay. Fait que là, l'exercice, j'ai deux défenseurs qui travaillent en transition. Fait que ce défenseur-là travaille en transition, puis son partner, il supporte de l'autre côté. Okay. J'ai trois joueurs statiques sur la ligne rouge. Fait que j'ai un allié ici, j'ai un joueur de centre, puis j'ai un allié de l'autre côté. Okay. Puis j'ai deux autres défenseurs qui étaient de l'autre côté, qui étaient placés à la ligne du cercle à peu près. Okay. Quand j'ai donné le puck aux défenseurs, ouais. les deux défenseurs de l'autre côté vont couvrir une option chaque. Okay. Fait que là, ça te fait que tu sais le défenseur, là, lui, peut travailler le skills qu'il veut qu'on a travaillé pendant la pratique, que ce soit un up, un DTD. Peu importe, je leur demande juste d'exécuter le plus rapidement possible puis de relancer l'attaque à l'option qui est disponible le plus vite possible. Je m'excuse, si je comprends bien, les défenseurs sont situés, mettons, nous autres qui est en arrière de l'ordinateur, au signal, toi, tu fais la passe au gars qu'on voit, les défenseurs, ils viennent marquer un des trois joueurs zone neutre, c'est ça? Exact. Wow. Une fois que la transition est faite aux joueurs d'attaque, les deux défenseurs qui ont mis la pression reculent. OK. Puis c'est eux qui tombent en transition. Puis les deux autres défenseurs qui ont fait de la transition, c'est eux qui viennent couvrir les options. OK. Fait que c'est toujours en continu. Ah, c'est sharp. D2D. Ah, ouais. Transitionne. Les deux autres, ils tombent en transition. Les deux autres défenseurs. Le transfert de poids du défenseur? Fake up, boom. Ça, on l'avait travaillé dans la pratique. Sur un virage puis une transition vers le centre, on l'avait travaillé pendant la pratique. Wow! Puis quand est-ce que tu changes ton cycle? Est-ce que les joueurs dans le pratique, j'ai peut-être pas la chance de voir, mais tes joueurs, là, exemple, là, pour les équipes, les coachs qui nous écoutent, là, tes joueurs, une rotation qui se fait dans le milieu en même temps qu'une transition, quoi? Non, moi, je garde les trois personnes. Il peut y avoir différentes façons. La manière que je l'ai faite, c'est que les trois défenseurs qui jouaient le rôle d'attaquant, eux, ils sont statiques, ils ne bougent pas. Ils servent juste à donner l'option aux défenseurs. Okay. Puis j'ai les quatre autres défenseurs qui travaillent en transition. Puis quand je siffle, j'ai sept nouveaux joueurs qui jump in. Ah, sérieux, c'est malade.
Fait que c'est super bon. Les défenseurs l'ont vraiment aimé parce que c'était une bonne opportunité pour eux de travailler leur transition, puis les skills en transition, puis je rajoutais les prises d'information là-dedans. Fait que, tu sais, je les forçais à prendre leur prise d'information puis à exécuter rapidement. Ouais, c'est, sérieusement, là, sans dire que les autres sont pas bons, là, j'adore, là, mais celui-là, c'est wow parce que tu varies prise d'information vu que tu es en espace restreint dans zone neutre. C'est sharp. J'ai une couple de questions sur tes yeux du gars du développement des joueurs. T'sais, oui, tu fais des skills, on en a parlé beaucoup, mais qu'est-ce que le gars qui développe, t'sais, exemple, là, qui est en processus d'analyser le joueur, là, qui est comme tel, tu regardes quoi au départ? Qu'est-ce que tu regardes ta cible première? Tu dis, moi, là, il faut qu'il y ait ça, sinon c'est. Côté skills ou le joueur de hockey général? Joueur de hockey général. Les intangibles. Niveau de compétition, okay. Caractère, maturité, leadership. C'est toutes les intangibles, tout ce qui se quantifie pas. Là, puis là, si on pense, si tu veux te rendre au top ou te donner la meilleure des chances, tu n'as pas le choix d'avoir ça dans ton sac. Puis tu n'as pas le choix d'être passionné aussi parce que ça, le hockey, c'est un sport à développement tardif. Il faut que tu mettes du temps, il faut que tu sois passionné. Si tu n'es pas passionné, tu n'en feras pas beaucoup. Puis si tu en fais beaucoup, tu n'atteindras jamais l'excellence. Fait, faut que tu sois prêt à mettre du temps, il faut que tu sois prêt à mettre les sacrifices, il faut que tu compétitionnes. Puis quand je dis compétitionne, j'ai toujours mon œil de gars individuel qui est là-dedans. Il faut que tu compétitionnes contre toi-même aussi à la fin de la journée. Il faut que tu essaies de devenir le meilleur joueur possible. Il faut que tu essaies de battre le Julien Tremblay de la veille. Ouais. Moi, j'applique cette mentalité-là comme coach aussi. C'est ce que j'ai appris aujourd'hui, ce n'est pas assez pour demain. Fait que ouais, j'essaie de transmettre ça aux joueurs aussi. Fait que les intangibles. Pour moi, c'est le plus important, les intangibles. Puis est-ce que, tu sais, je sais que tu as la chance de côtoyer les plus jeunes, mais est-ce que dans t'as coaché Pee-wee aussi, est-ce que tu crois aussi que le kid, mettons, de bas âge, le tantôt parlait de M13, même s'il n'y a pas ce fit-là, est-ce qu'il y a une possibilité dans le futur rapproché d'être capable ou. Il faut que tu l'aies un peu en toi. Là, je pense qu'il y a une partie de ta personnalité aussi. T'sais, des fois, on essaie de forcer le joueur à compétitionner, mais à la fin de la journée, si c'est pas dans sa personnalité, son entourage, ses parents, ouais. ses frères, tu comprends, son entourage ouais. familial, son entourage proche va avoir beaucoup plus d'importance dans le développement de sa personnalité que nous, on peut l'avoir, je pense. Fait que, évidemment, si tu ne compétitionnes pas, là, on parle d'un niveau de compétition, là, si tu ne compétitionnes pas, t'es mieux d'être smart, t'es mieux d'être vite, t'es mieux d'avoir une shot, tu comprends, t'es mieux de compenser ailleurs fois mille. Mais, honnêtement, je pense vraiment que si tu ne compétitionnes pas, ça va être dur, à un moment donné, ça va te rattraper. Ah, c'est intéressant. C'est peut-être avant de finir, là, à moins qu'il y ait d'autres sujets que tu voulais t'en aller. Puis... Non, moi, c'était. Je voulais parler de la vitesse parce que je sais que c'est un concept qui intéresse beaucoup les gens. Puis je voulais juste. Ouais. Je pense que tout le monde regarde à la même place. Puis je voulais juste peut-être les faire réfléchir un peu sur. Oui, on veut créer de la vitesse, mais on ne veut pas en perdre non plus. On ne veut pas en perdre. Fait que sur la réception de la passe, puis après que tu t'ailles détaché de la rondelle, continue à bouger tes pieds. Puis sur l'aspect d'être capable de prendre des meilleures décisions sur les lancers en zone offensive. T'sais. Fait que moi, c'était les deux concepts que je voulais aborder avec toi. Sinon, le reste est super intéressant. Sérieusement, là, j'ai trippé. J'ai une question pour toi, puis tu sais, je veux pas, c'est pas une balle courbe. Là. Alexis Lafrenière, tu l'as connu à quel niveau à peu près? J'ai commencé à le côtoyer quand j'étais au Seigneur, quand j'ai commencé, mais j'ai pas travaillé directement avec lui. T'sais, je travaillais pour les Seigneurs, mais j'étais pas sur la glace avec lui. Parce que, tu sais, moi, à monter, puis c'est un petit gars du coin, là, j'ai coaché aussi le Seigneur, puis c'est drôle, hein, on parlait pas de lui avant Bantam deuxième année, mais à Bantam deuxième année, si je me trompe pas, peut-être que tu peux me corriger, il y a eu un step, puis il y a eu un step incroyable. Puis je regarde Charles Hudon, que je connais depuis toujours, puis je dis salut Charles, et surtout son frère P.O., qu'il a un talent fou, mais il n'y a pas la même...
pas la même idée. Mais bon. Ouais, tu vas là. Non, ben, arrêtez. Non, ben, tu sais, pour moi, les frères Rudon, c'est des très bons joueurs. Puis PO aussi, là. J'ai coaché avec PO aussi. Tu sais, puis moi, je l'ai vu jouer au Nordique, là. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, mais je trouvais qu'il y avait des skills incroyables. Mais j'ai toujours vu Charles, Pee-Wee, Bam Tam, Midget faire son échelon. Puis je suis comme pas surpris qu'il soit rendu là. Mais à un moment donné, tout le monde dit, hey, Alexis Lafrenière, il était où avant? On en a, t'en a côtoyé des kits de même, mais qu'est-ce qu'il a fait, tu penses, que ça a viré de bord? Ah, c'est tellement une bonne question. Honnêtement, je ne l'ai pas côtoyé assez dans ce temps-là, mais j'étais dans l'entourage un peu. Je connaissais Tommy Paiement qui le coachait. Ouais. Puis moi, je commençais dans le coaching avec les seniors quand Alexis était bantam. J'avais entendu qu'Alexis était un bon joueur bantam relève, mais que là, dès la première pratique du camp d'entraînement, il était méconnaissable. J'imagine qu'il y a eu une poussée de croissance, il a pris l'entraînement un peu plus au sérieux, il a peut-être grandi, il a pris de la confiance, il y a beaucoup d'aspects, ça lui pourrait nous dire en fait, je vais lui demander. Mais après, je l'ai vu jouer Midget 3, puis j'ai commencé à travailler avec Alexandre Imbeau qui est mon partner, ouais. Il n'y a pas juste moi là-dedans, Alex qui est écœurant aussi. On a commencé à travailler avec lui après son année de 17 ans junior. Fait qu'on on a fait des pratiques en privé avec des petits groupes avec lui. J'ai travaillé encore, moi et Alex, on a travaillé avec lui l'année passée, puis on a l'intention de retravailler avec lui cette année. Puis, tu sais, juste pour finir sur Alexis, là, je voyais le monde qui s'inquiétait, tu sais, en début de saison sur lui, mais il ne faut pas oublier, là, tu sais, c'est un gars qui a dominé le junior majeur pendant 3 ans. Tu sais, il n'a pas joué pendant 1 an. Tu arrives dans la Ligue nationale à 18-19 ans, c'est pas facile. Là. Ce qu'Alexis est en train de faire, c'est next level. Là. La maturité que ça l'a pris pour. Il a fait face à l'adversité cette année. Là. Il a vu son temps de glace changer. Il a eu un mauvais début de saison. Là. La pression, elle devait commencer à être tight sur lui. Il a continué à performer. Il a commencé à s'impliquer un petit peu plus défensivement. Là, tranquillement, il a retrouvé son temps de glace. Puis là, tu vois, dernièrement, il va super bien. Il a retrouvé le power play. Il joue avec Zibanejad puis Butchnevich. Puis honnêtement... Ça doit être quelque chose, ça. Tu arrives dans la grosse pomme, là, puis t'as Panarin, Zibanejad, puis encore là, c'est... Déjà, comme individu, il doit se mettre de la pression. Name it. Mais, tu sais, à le regarder aller, tout... moi, je le connais vraiment pas. Je l'ai vu de temps en temps pratiquer, jouer beaucoup. Mais toi, t'es le premier, lui, il a de l'air à avoir du fun tout le temps. Là. Ben oui, tu sais, il est tellement posé, il est pas nerveux. C'est un gars qui est capable de bien gérer la pression, tu sais, puis il a du fun, puis il est le fun à travailler avec aussi, tu sais. C'est un joueur de hockey exceptionnel, mais il est le fun à côtoyer, tu sais. Il veut apprendre, tu sais, c'est pas un gars qui est au-dessus de ses affaires, il est terre à terre, puis il est prêt à prendre les conseils, puis tu sais, puis en même temps, comme je te disais tantôt, moi, je suis capable d'apprendre avec lui aussi, tu sais. Ben oui. Capable d'apprendre, tu sais, je vois comment il va exécuter certains skills, puis là, je vais aller poser des questions, puis là, on est capable de l'ajuster. Fait que, tu sais, je suis vraiment, 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 moi et Alex, on est vraiment choyés d'avoir l'opportunité de travailler avec un gars de même, tu sais. C'est sûr que ça devient meilleur. On devient meilleur en côtoyant meilleur, mais tu sais, c'est autant un coach qu'un joueur, qu'un joueur qu'un coach. Fait que, exactement. Mais Julien, je voulais te remercier grandement de ta présence. Pour moi, tu étais mon deuxième invité, puis on a mis la crème de la crème. Il faut juste que je fasse un petit montage tantôt parce que ça va être... mais merci beaucoup, honnêtement, j'apprécie énormément. Puis j'espère qu'on va pouvoir avoir la chance de refaire des petites capsules sur... Anytime. Moi, je n'étais pas ton premier invité, mais je veux être ton premier invité qui revient 2 fois. Pas de trouble, la semaine prochaine, mon Julien. Merci, Charlie. Hey, merci. Yes, sir.